Haïti vit en ce moment de graves difficultés, de très graves difficultés. Mais soyez assurés, Haïti ne mourra pas. Si Haïti devrait mourir, ce serait parce que nous ne sommes pas assez nombreux pour le maintenir en vie. Ce serait parce que nous ne l'aimons pas assez pour travailler à son progrès. Ce serait parce que nous aurions perdu la foi en notre capacité citoyenne d'intervenir en sa faveur quand il le faut et là où il le faut. Si Haïti devrait mourir, ce serait parce que ses citoyens, ses citoyennes l'auraient lâché, abandonné à son sort, dénié son avenir, abdiqué leur responsabilité face à lui. Si Haïti devrait mourir, ce serait parce que nous aurions cessé d'exister en tant que peuple, en tant que culture. Bon pays passé ou n'a point. Faut moi te quitter ou pour moi te capable comprendre valeur. Faut moi te laisser ou pour moi te capable apprécier. Pour me sentir vraiment tout ça ou payer pour moi. Haïti chérie, mi bon pays passé ou n'a point. Faut moi te quitter ou pour moi te capable comprendre valeur. Faut moi te laisser, pour moi te capable apprécier. Pour me sentir vraiment tout ça ou payer pour moi. Un bon soleil, bon rivière et bon breuvage. En papier bois, ou toujours jouer un bon ombrage. Un bon petit vent. Ou ba ou bon ti fwèche, a la yon peyi, o bon Dieu se Haïti. Haïti chéri, mi bon peyi passe ou nan point. Fòk mwen te kite ou, pou mwen te kapab konprann valè. Fòk mwen te lese ou, pou mwen te kapab apresye ou. Ou santi vreman, tout sa ou te ye pou mwen. D'un point mille atres, belle marabout, belle du fond créole. Qui remet belle robe, bon poudre, bon odeur. Haïti chérie, c'est un pays qui bénit. Haïti chérie, il bon pays passé ou non point. Faut moins te quitter ou moins te capable comprendre valeur. Faut moins te laisser ou moins te capable de ciel. Pour me sentir vraiment tout ça ou te lier pour moi. Haïti chérie, mi bon pays passé ou non point. Faut moins te quitter ou moins te capable comprendre valeur. Faut moins te laisser. J'ai invité le professeur Samuel Pierre, président fondateur de Grand Monde, celui qui a su rassembler ce combat de partout à travers le monde un janvier 2010 et qui nous a amené à réfléchir, en mars 2010, qui a guidé la réflexion pour qu'on puisse faire émerger des projets innovants
pour l'avenir d'Haïti. C'est le professeur Samuel Pierre qui a partagé une vision avec nous et l'ensemble des personnes ont répondu présent et ont voulu s'investir pour concrétiser cette vision-là. Donc, professeur Samuel Pierre, à vous la parole. Merci beaucoup, Carlan, pour ta chaleureuse introduction. Je profite aussi pour me dire tout le monde bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde qui a écouté nous dans différents coins de terre, mais particulièrement et en Haïti, qui est notre cible et pour lequel nous menons nos actions. Alors, dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est d'abord de ce qu'on a pu réaliser à date. Il y a 10 ans, on a démarré l'aventure et depuis 10 ans, nous avons parcouru du chemin. Et alors, vous avez le fond de mon écran, je ne sais pas si vous le voyez. Alors, si vous voyez le fond de mon écran, et vous avez ici un plan d'eau. Et ce plan d'eau-là, eh bien, se trouve en Haïti. Mais c'est le seul fleuve que nous avons. C'est le fleuve de l'Artibonite, qui se trouve dans le département du Centre. Alors, c'est la photo qui symbolise pour nous Haïti, avec ses montagnes, avec ses rivières, ses cours d'eau, avec sa végétation, pas très rayonnante ces jours-ci, mais qu'on aimerait voir revenir à son état, l'état qu'il était lorsque, soi-disant, Christophe Colomb l'avait découvert. Le plan de ma présentation, je vais vous parler d'abord, vous souhaiter la bienvenue, vous parler de Gran, de sa vision d'une Haïti nouvelle, les réalisations au cours des 10 dernières années et la conclusion et les perspectives. Nous avons aujourd'hui avec nous des personnes, des participants et participantes qui viennent de 11 pays différents, donc ce qui montre un peu la portée de l'action du GRAN, qui cherche à réunir les filles et les fils d'Haïti et leurs amis de quelque nationalité, qu'ils ou qu'elles soient, de manière à manifester leur solidarité envers Haïti. Alors, on se retrouve avec des participants venant du Canada, d'Haïti, des États-Unis, de la France, de la Suisse, de l'Angleterre, de la Belgique, du Danemark, du Maroc, du Mexique et du Sénégal. Quelle est notre vision de cette Haïti nouvelle? Vous le savez, en tout cas pour ceux qui le savent moins, je vous informe, Haïti est un pays né dans la douleur, mais aussi un pays né pour la liberté. Et je suis très fier de vous dire que la liberté pour laquelle Haïti a combattu, ce n'est pas une liberté exclusive à Haïti. Parce que trop souvent, nous voyons les grands défenseurs de la liberté se mettre debout pour défendre la liberté, mais c'est la liberté pour eux-mêmes. C'est la liberté pour leur pays. C'est la liberté pour leur clan. Haïti s'est montré exemplaire en défendant non seulement la liberté, mais la liberté des autres peuples. La liberté universelle. Et ça nous a coûté très cher. Et je vous dis, même après 200 ans, on ne nous a pas pardonné d'avoir été un promoteur de la liberté universelle. Et c'est le prix qu'on est en train de payer aujourd'hui. Les souffrances du passé sont énormes. Nous avons dû mener une guerre sans merci avec une puissance coloniale pour ne pas nommer la France pour gagner notre indépendance. Et nous avons dû payer pendant plus d'un siècle une rançon pour avoir gagné notre liberté, ce qui nous a empêché de développer nos infrastructures, de donner l'éducation, de construire des écoles et des hôpitaux. Et ce fardeau-là, on est incapable de se débarrasser même 2 siècles après. Heureusement que nous avons des amis, il y en a de faux, on les connaît, il y a les faux amis d'Haïti, qui se disent amis d'Haïti, qui ne le sont pas. Très souvent, ce sont même des pays qui sont des faux amis d'Haïti. Mais heureusement aussi, Haïti a de vrais amis. Et les vrais amis, ce sont des peuples. Ce ne sont pas des politiques, ce sont des peuples. Et grâce à ces vrais amis, à la solidarité manifestée par ces vrais amis, Haïti peut se constituer en groupe de défense de ses intérêts de manière à pouvoir améliorer son avenir.
parmi les faux amis, on a eu toujours eu dans notre histoire, même après l'indépendance, c'est ceux qui ont contribué à son naufrage. Il y en a d'autres, comme vous, qui nous sommes solidaires. Et nous vous remercions de votre solidarité. La longue marche vers la démocratie. Haïti, depuis très longtemps, a porté l'étendard de la démocratie. On a essayé tous les régimes politiques, la royauté, l'empire, la présidence. Et on cherche encore notre voie. Mais le GRAN veut réaffirmer aujourd'hui, à l'occasion de son 10e anniversaire, son grand engagement envers la démocratie. Une démocratie qui se veut non pas une réalité, mais un idéal. Un idéal vers lequel on tend. Et pour paraphraser, je dirais que cette démocratie qui est un moindre mal, qui est le moins mauvais des systèmes politiques, dans la mesure où ça permet à l'humain d'avoir des droits égaux, sans privilège de clan. Et j'insiste pour dire que c'est un idéal. Malheureusement, ce à quoi nous faisons face en Haïti, eh bien, c'est le vent de la discorde. Pas plus tard que la semaine dernière, on a assisté à encore l'émergence de partis politiques. Il y a trop de partis politiques en Haïti pour 12 millions d'habitants. Ce que ça traduit le fait que nous ne sommes pas capables de mettre tête nous ensemble, pour nous réfléchir ensemble, pour nous joindre solution au problème. Alors chacun s'estime champion, surestime ses capacités, surestime ses ambitions et pense pouvoir tout seul, avec sa petite vision, sans équipe, sans convaincre les autres de venir avec lui, et de pouvoir résoudre le problème. Alors ça, c'est de très mauvais augure. On n'est pas capable de se mettre ensemble parce que chacun croit avoir la solution. Et le plus important, ne croit pas important de convaincre les autres d'adhérer à sa vision. Et c'est ça le côté pervers de la chose. Et je vous dis entre-temps, alors que les bien-pensants, alors que les personnes de bien n'arrivent pas à se mettre ensemble, eh bien, les délinquants arrivent à le faire. Ils se constituent en fédération. Les détracteurs d'Haïti se mettent ensemble. Ils forment une communauté. Ils trouvent des noms très colorés pour s'appeler. Ils s'appellent communauté internationale, ils s'appellent groupe corps. Mais tout ce que ça dit qu'ils se sont mis ensemble pour servir d'obstacle à ce pays. Entre-temps, les Haïtiens se chamaillent. Le chacun parti politique par eux. Chacun font parti politique. Des fois même madame le baladin. Incapable de se parler, incapable de fédérer les forces, incapable d'agréger les points de vue individuels pour en faire des projets communs. Alors ça, c'est ce qui nous empêche d'accéder à la démocratie. On tombe dans l'excès contraire. Conséquence préoccupante de tout cela, c'est que Haïti est devenu le plus grand exportateur de talents. Alors vous avez ici un extrait paru dans le New York Times qui indique que dans l'échelle des pays ayant une population de plus de 5 millions d'habitants, Haïti est en tête de liste comme pays qui perd ses talents. Qui dit perdre de talents, ça veut dire les exporte au profit d'autres sociétés, très souvent plus fortunées qu'Haïti. Haïti est en train de subventionner des pays riches parce que les plus beaux esprits d'Haïti eh bien, se retrouvent hors d'Haïti. Haïti, à 84%, exporte ses talents. Le deuxième pays qui vient après, c'est le Ghana à 47, à peu près la moitié. Et après, vous avez la liste. Alors, comment un pays peut survivre s'il n'arrive pas à intéresser les personnes qui en sont issues à son avenir? Comment transformer tous ces malheurs-là en opportunités? Le fait que les Haïtiens se retrouvent aux quatre coins du monde, c'est un malheur. Mais si les Haïtiens, tels que nous essayons de le faire au GRAN, pouvaient trouver, ils ont les dispositifs technologiques, la volonté individuelle, la volonté collective de se mettre ensemble, de s'organiser pour venir en aide à Haïti, comme le font certains pays, Israël pour ne pas le nommer, eh bien ça pourrait aider Haïti. Ou de quelque endroit où se trouveraient des personnes d'origine haïtienne,
qu'on serait en mesure d'apporter une aide structurante au pays. Et c'est ça que nous visons au GRAN. Organiser, disons, la collaboration, la participation au futur d'Haïti à partir de notre point de vue. Et le GRAN, en ce sens, apparaît comme une réponse parmi d'autres. Il doit y avoir d'autres réponses. Le GRAN n'a pas la prétention d'exclusivité. Le GRAN est une réponse parmi d'autres. Et ce que nous voulons faire, c'est d'organiser la concorde entre filles et fils d'Haïti, d'où qu'ils soient, en Haïti ou ailleurs, et les vrais amis d'Haïti, d'où qu'ils soient, en vue d'aider Haïti à retrouver sa voie. Bref, GRAN, c'est une vraie combite pour un Haïti tout neuf. Voilà donc la vraie mission que s'est donnée le GRAN, dont nous fêtons aujourd'hui le 10e anniversaire. Le GRAN, groupe de réflexion et d'action pour une Haïti nouvelle, c'est le premier think tank de l'histoire haïtienne. On a formé plusieurs partis politiques, ça veut dire des personnes orientées vers la prise du pouvoir pour mener leurs actions. On a formé des mouvements littéraires, mais le think tank GRAN en est le premier en Haïti, avec comme objectif de réunir les citoyens, de quelque origine que ce soit, de quelque idéologie que ce soit, mais qui partagent un même rêve, celui de voir Haïti se porter mieux, et par une action citoyenne. Une action citoyenne qui n'est pas en rupture avec les choix politiques, mais qui n'entend pas passer par la politique pour pouvoir faire sa contribution. Parce qu'un pays, même pour faire de la politique, vous avez besoin de forces constituées, vous avez besoin de personnes de conviction, vous avez besoin de personnes de savoir-faire sur lesquelles compter pour faire des politiques. Trop souvent en Haïti, nous avons des gens qui arrivent au pouvoir sans équipe, et qui se retrouvent démunis par rapport à la complexité des problèmes. Le GRAN, c'est un groupe de réflexion dont la mission première est de réfléchir sur les problèmes d'Haïti. Donc, en ce sens, le GRAN, c'est un grand cadeau fait à Haïti. Malheureusement, Haïti ne sait pas comment profiter de ce cadeau. On est né le 20 janvier 2010. 20 janvier 2020 nous a fait 10 ans. Nous sommes une organisation de vie citoyenne, laïque et apolitique. Laïque, oui. Nous voulons être tolérants face à toutes les religions, sans hiérarchie. Apolitique, nous ne faisons pas de politique partisane. Nous avons un seul parti. Nous avons un seul parti pris, c'est Haïti. Notre vision, c'est de contribuer à la création d'une société démocratique ouverte, moins inégalitaire, plus inclusive, fondée sur les droits, la solidarité, le partage, l'éducation, le culte du bien commun et la conscience environnementale. Il y a des termes que j'ai soulignés. Société démocratique, j'ai expliqué pourquoi. Je sais que les Haïtiens, quand ils voient ce qui se passe dans leur pays aujourd'hui, pensent à d'autres systèmes. Je vous mets en garde. Je vous mets en garde. La dictature n'est pas une option. On l'a vécu. Moi, personnellement, je l'ai vécu. C'est la dernière chose que je vous recommande. La démocratie, elle est difficile à mettre en œuvre. Elle est difficile à apporter la loi et l'ordre. Mais c'est le moins mauvais des systèmes. Je sais ce que ça veut dire, la dictature. J'étais adolescent quand j'ai vécu dans une dictature en Haïti. J'avais même pas la liberté. Je n'aurais pas pu avoir grand monde en Haïti. Parce que quand j'étais adolescent, on interdisait aux jeunes qui étaient à l'école secondaire de se réunir en club littéraire. Donc c'est pour vous dire ce que c'est que la dictature. Moi, j'en sais quelque chose et je ne vous la recommande pas, la dictature. Une société ouverte, c'est un mot important. Nous avons une société qui n'est pas ouverte. Une société qui est inclusive, nous avons une société qui n'est pas inclusive. On exclut les paysans, on exclut les femmes, on exclut la diaspora. Donc ça veut dire que on est en train de réduire considérablement le bassin de ressources. Parce que dans tous ces groupes-là, il y a des génies. Et vous les avez exclus. On est une société parmi les plus inégalitaires au monde. Nous figurons parmi les 9 pays les plus inégalitaires au monde. Ce que j'aimerais dire par rapport à ça, et ça c'est un extrait que je vous lis, à l'encontre du récit hyper inégalitaire qui s'est imposé depuis les années 1990. C'est le combat pour l'égalité et l'éducation, et non pas la sacralisation de la propriété privée, qui a permis le développement économique et le progrès humain. Et là, ça vient de l'économiste bien connu Thomas Piketty, dans son ouvrage « Capital et idéologie » publié en 2019.
Donc, le combat pour l'égalité et l'éducation, c'est le vrai combat à mener. C'est le vrai combat. C'est le vrai combat. Une société fondée sur le droit. Nous menons actuellement la bataille pour l'état de droit et aussi la lutte contre l'impunité. Parce que il ne peut pas y avoir d'état de droit si on accepte l'impunité. Et tout ce qui se passe aujourd'hui en Haïti vient du fait que l'impunité est garantie. Une société fondée sur la solidarité, on était une société solidaire, on l'est moins aujourd'hui. Une société fondée sur le partage, c'est la même chose. On était une société de partage, surtout dans les zones rurales. Aujourd'hui, on ne l'est plus. Une société fondée sur le culte du bien commun, on l'avait un peu, on ne l'a plus aujourd'hui. Une société fondée sur une conscience environnementale, et bien ça, c'est le dernier né, avec tout ce qui nous attend en termes de changement climatique. Haïti étant un État insulaire, et bien c'est une dimension à intégrer au cœur même de l'action du GRAN. Quand on observe les processus de transformation sociale qui sont produits dans le monde, peu importe la société où se sont produits ces processus, on peut distinguer quatre phases. D'abord, un stade de réflexion. Réflexion pour bien comprendre le système que l'on veut changer et dessiner les contours du nouveau système. Un stade de plaidoyer, où on fait la diffusion et le partage de la réflexion avec le plus grand nombre de citoyens, afin de les conscientiser. C'est là qu'on est rendu. Un stade de mobilisation, où on rallie les citoyennes et les citoyens aux idéaux du changement promu, en leur montrant comment le changement de système va améliorer leur situation. Et la dernière phase, qui n'est pas nécessairement l'affaire du GRAN, c'est le stade de l'action politique. Organiser une offre politique axée sur la transformation de la société conduisant à une nouvelle société. Ce sont les quatre phases que l'on retrouve dans tous les grands changements qui se sont produits dans l'humanité à l'échelle politique. Alors, ici, nous arrivons aux réalisations au cours des 10 dernières années. Donc, je vous en fais un résumé schématique avec les différents points. Je ne vais pas les détailler parce qu'on en a assez parlé. Mais je voudrais attirer l'attention sur quelques éléments. Haïti Perspective, qui est une revue scientifique publiée. C'est l'unique revue scientifique de ce genre publiée en Haïti. Une revue avec des comités qui évaluent les articles selon une approche scientifique, avec les exigences de la publication scientifique, et qui permettent à des chercheurs, à des penseurs de pouvoir publier leurs idées dans le sens de l'avancement des politiques publiques au pays, supportées par une science et des données probantes. Première chose, l'Académie haïtienne des sciences. Haïti était le seul pays qui n'avait pas d'Académie des sciences. Point besoin de vous dire que la science n'est pas présente dans la pensée haïtienne. On a une pensée plutôt métaphysique, une pensée plutôt magique, non nécessairement axée sur la science. Donc, nous avons créé il y a 4 ans l'Académie haïtienne des sciences que nous animons avec de faibles moyens parce que dans tous les pays du monde, les académies de sciences obtiennent le support des pouvoirs publics. En Haïti, ce support n'existe pas. On doit mener un plaidoyer pour pouvoir obtenir ce support. Nous avons créé une presse internationale, une maison d'édition qui s'appelle Presse internationale Grand Monde, et nous avons créé l'ISTEA. L'ISTEA qui est l'Institut des études avancées et des technologies d'Haïti. Alors l'ISTEA, en 7 ans d'existence, ça a été créé en 2013, se veut une université d'excellence à laisser un héritage au pays. Et là, je vous prends à témoin, nous voulons que l'ISTEA devienne, dans un certain avenir, le plus grand centre universitaire de sciences dans la région des Caraïbes. Et tout l'effort qu'on fait ne vise pas moins que ça. Nous voulons laisser un héritage au pays, un héritage de science. Et l'ISTEA sera cet héritage-là. Nous sommes présents dans 6 villes d'Haïti pour le moment. Génipaï-Milo qui est notre centre, Caille, Inche, Jacmel, Port-au-Prince et Saint-Marc. Nous avons plus de 200 professeurs venant du Québec, du reste du Canada, de la Belgique, des États-Unis, de la France, d'Haïti, du Maroc, du Sénégal et de la Suisse. Aujourd'hui, nous avons une 30aine de professeurs qui participent
au Brunch, une trentaine de professeurs de différents pays. Et je profite de l'occasion pour saluer le professeur Rachid Saadan, qui est notre seul professeur du Maroc et qui enseigne à peu près tous les jours en Haïti, à partir de Casablanca, qui est son lieu de résidence. Merci à Rachid d'avoir embrassé la cause d'Haïti, que tu as hâte de découvrir physiquement. Nous avons 20 administrateurs bénévoles, 33 employés à temps plein, dont 32 en Haïti et 1 à Montréal, plus de 350 étudiants au cycle supérieur, dont le quart au doctorat, 60% en maîtrise et 15% au diplôme d'études supérieures spécialisées. Et depuis septembre 2020, donc depuis un mois, nous offrons 9 nouveaux programmes de licence en sciences et de diplôme d'ingénieur. Alors, je vous informe que les programmes que l'on offre, dans le format qu'on les offre, n'existaient pas en Haïti. C'est des programmes en biologie chimie, biologie physique, qui combinent mathématiques informatiques, mathématiques statistiques, mathématiques physiques, et bien sûr des diplômes d'ingénieur, un diplôme d'ingénieur informatique et un diplôme d'ingénieur civil. Nous avons 15 champs d'études allant des sciences de l'éducation à l'ingénierie, en passant par les sciences de la gestion, plus de 100 grades offerts, et nous avons 7 centres de recherche et de chaires, dont la toute première chaire UNESCO en Haïti, qui est une chaire UNESCO Femmes et Sciences pour le Développement, dont la titulaire est la professeure Rose Michelle Smith, qui est une jeune professeure, 31-32 ans, et qui assure cette chaire-là, avec une équipe internationale d'encadrement. Nous avons également, et c'est l'occasion pour moi de remercier la Banque de la République d'Haïti, pour la chaire de recherche-développement BRH, BID. BRH, c'est Banque de la République d'Haïti, et BID, c'est Banque interaméricaine de développement, donc qui supporte financièrement cette chaire depuis 3 ans. Alors, merci à la BRH. Nous avons changé nos locaux à l'ISTEA à Port-au-Prince. Donc, vous avez ici l'édifice, le nouvel édifice que nous avons, avec à gauche, disons, l'avant de l'édifice, et à droite, vous êtes déjà à l'intérieur de l'édifice quand vous entrez, et vous avez ici une vue de l'édifice qui devient le siège de l'ISTEA Ouest à Port-au-Prince. Toujours en matière de réalisation, nous avons le centre de la petite enfance, Paul Gérin Lajoie, avec ses instances qu'il gère, en particulier le CIES, qui est le comité international d'experts de soutien, qui est présidé par Mme Thérèse Tardieu, qui est aussi la présidente d'honneur du CPE, qui est avec nous aujourd'hui. Donc, bonjour Thérèse. Et nous avons également un fonds de parrainage dont le conseil d'administration est présidé par Dr. Yolande Charles, également présente avec nous aujourd'hui. Le centre de santé AMHE Grand FFE. AMHE, c'est Association des médecins haïtiens à l'étranger. Et FFE, c'est Food for the Poor, qui s'est associé à nous pour nous soutenir dans le projet et qui va contribuer à la construction du centre de santé. Alors, nous avons avec nous Dr. Rinal Altema, qui pilote le projet de centre de santé, et nous avons également Dr. Rémi Chérizol, qui s'occupe du comité de financement. Donc, merci à ces deux personnes-là qui nous aident avec leur équipe respective dans cette tâche de construire le centre de santé. Nous avons le comité de pilotage, le comité de financement, l'unité. Nous avons également une unité de médecine préventive. L'unité de médecine préventive avec Dr. Marie-Hélène Mendor, qui a déjà commencé depuis un an et des interactions avec les personnes de Génie Paillé, qui est notre base. Et nous avons également une unité de santé mentale sous la direction de la professeure Marie Papineau, qui est psychologue de l'Université de Sherbrooke et qui anime cette équipe d'unité de santé mentale. Et nous avons l'École supérieure des affaires et de l'entrepreneuriat avec le pavillon Sogebank. Il y aura 3 pavillons et le premier pavillon est financé en grande partie par la Sogebank à travers un don de 200 000 dollars américains. Donc, qui représente 2/3 du coût de construction de la phase 1 de l'École supérieure des affaires et de l'entrepreneuriat. Donc, c'est l'occasion pour moi de remercier officiellement et publiquement la Sogebank d'avoir placé sa confiance au grand monde. Et nous avons également le village de la Cité du Savoir, qui est une contribution de Food for the Poor, qui va nous permettre de donner une résidence à 100 familles pauvres de la région de Génie Paillé, avec tout le plan de développement économique du village en question. L'école fondamentale, je vous le dévoile aujourd'hui,
portera le nom de Anne-Lélie Saint-Preux. Anne-Lélie Saint-Preux, dont la photo apparaît à gauche ici, c'est une infirmière de Montréal, originaire du nord d'Haïti, et qui a été à tous les instants à côté du GRAN et du PIGRAN pour pouvoir nous aider dans la réalisation des différents projets. Et c'est la raison pour laquelle j'ai réussi à la convaincre. Et ce n'était absolument pas facile. Parce que c'est quelqu'un qui ne veut pas sortir de l'ombre, que l'école porte son nom. Alors, je lui ai convaincu en lui disant, c'est pas votre choix, c'est le choix du GRAN, et nous l'assumons. Donc, l'école fondamentale va porter le nom de Anne-Lélie Saint-Preux, qui est une infirmière de métier, et qui est également la mère de l'ingénieur Farah Saint-Preux, décédé il n'y a pas longtemps. Nous avons également un fonds de soutien à l'école fondamentale. Le fonds de soutien est présidé par Bermane Fleury. Je sais qu'il est là. Alors, Bermane, je te remercie d'avoir accepté cette responsabilité. Et au sein de l'école fondamentale, nous avons le laboratoire de sciences, Farah Saint-Preux. Alors, vous en avez la photo à gauche, qui est décédée. Et le laboratoire de sciences va porter son nom. Et nous avons également, à gauche, eh bien, c'est notre équipe d'héroïnes et d'héros. Ce sont des personnes du terrain. Ce sont nos employés dans la Cité du Savoir, avec leur t-shirt PIGRAN, qui se trouve dans une salle de classe de l'école fondamentale, Anne-Lélie Saint-Preux, salle qu'ils venaient d'aménager. Ils venaient d'installer les bancs et les bureaux. Ce sont nos héroïnes et nos héros d'aujourd'hui et de demain. Puisqu'il faut faire de l'entrepreneuriat, nous avons dans le secteur agricole une ferme agricole qui porte le nom de Elvire Joachim. Elvire Joachim, c'est également, dont la photo apparaît à gauche, c'est également une infirmière du nord d'Haïti, décédée, et qui a une succession gérée par Maître Michel Turenne, qui a eu la générosité de nous supporter dans diverses actions. Alors, Michel, je sais que tu es là. Merci de tout cœur pour ton soutien. Nous avons également des projets d'entreprise. Et parmi les projets d'entreprise, et James a parlé tout à l'heure de la première entreprise qui a créé une fabrication de blocs. Mais je vous dis, le plus important, c'est que nous avons profité de ce projet-là pour initier des activités dans notre école de formation professionnelle. Projet qui est piloté par GRAN États-Unis. Donc, par ce projet de PIGRAN Block, qui est le nom de l'entreprise, nous recrutons des jeunes de la région de Génie-Payé pour leur donner une formation, leur montrer comment fabriquer des blocs, comment poser des blocs, comment faire du crépissage. Et immédiatement après cette formation, on les embauche pour travailler dans nos projets. Et on va faire ça dans tous les métiers de la construction. Et toujours, ça c'est un des projets d'entreprise, nous en avons 5 autres à réaliser d'ici le début de l'année 2021. Et tout ça est orchestré à travers un organisme qui s'appelle la Société de Développement International, c'est le SDI, PIGRAN, qui est un organisme incorporé au fédéral, au Canada, avec un double mandat d'amener des investisseurs dans le périmètre du pôle d'innovation du Grand Nord. Et deuxième aspect du volet, c'est de faire en sorte que les produits et services qui auraient été créés dans le périmètre du pôle d'innovation du Grand Nord puissent se rendre sur le marché national, mais également sur les marchés internationaux. Donc, c'est le bras financier, économique du grand projet PIGRAN. Et sur le plan humain, pour terminer avec les réalisations, nous avons créé des emplois et donné de la perspective à la fois aux enfants qui fréquentent nos écoles et aussi aux jeunes et moins jeunes qui fréquentent notre université, l'ISTEA. Et nous avons surtout stimulé la confiance collective et nourri l'espoir. Donc ça, c'est le principal, c'est la principale contribution que nous avons fait. Maintenant, nous arrivons à la conclusion. Et à la conclusion, qu'est-ce que je pourrais vous dire en termes de conclusion et de perspective? Quelles sont les perspectives de notre action pour Haïti? Les 10 dernières années ont été pour le GRAN une intense période de créativité, de confiance et de pensée positive, ingrédients indispensables pour construire par soi-même, pour construire son propre avenir. Au cours des 10 dernières années, le GRAN a réalisé ou initié un grand nombre de projets visant tous à améliorer le quotidien des citoyennes et citoyens. Ce fut pour nous
et cela l'est encore, une épreuve de persévérance et de patience. Le biologiste français Jacques Monod a dit ceci. Quand vous voulez faire des projets, réaliser de nouvelles choses, il y a trois catégories de personnes qui sont contre vous. D'abord, ceux qui font la même chose que vous. Deuxièmement, ceux qui font le contraire de vous. Et troisièmement, ceux qui ne font rien. Quand on fait la réunion de tout ça, ça veut dire tout le monde. Donc ça veut dire, attendez-vous à une opposition farouche d'à peu près tout le monde. Alors, ça, c'est son point de vue. Alors, comment le GRAN a fait pour se tirer de tout ça? Pour GRAN, nous évitons autant que possible de faire la même chose que les autres. Autrement dit, nous cherchons en tout temps à sortir des sentiers battus. Quant à ceux qui font le contraire de nous, ou qui ne font rien, nous les laissons faire ou ne pas faire. Voilà donc notre stratégie de survie. Au GRAN, nous cultivons la confiance tranquille en nous-mêmes, en nos réseaux, en ceux qui nous conseillent, en ceux qui nous donnent des idées, en l'avenir. Au GRAN, nous prenons le risque de construire le futur plutôt que de subir l'avenir qu'on cherche à nous imposer. Au GRAN, nous cherchons à réinventer des valeurs qui donnent un sens à la vie pour les générations présentes et futures. Haïti vit en ce moment de graves difficultés, de très graves difficultés. Mais soyez assurés, Haïti ne mourra pas. Si Haïti devrait mourir, ce serait parce que nous ne sommes pas assez nombreux pour le maintenir en vie. Ce serait parce que nous ne l'aimons pas assez pour travailler à son progrès. Ce serait parce que nous aurions perdu la foi en notre capacité citoyenne d'intervenir en sa faveur quand il le faut et là où il le faut. Si Haïti devrait mourir, ce serait parce que ses citoyens, ses citoyennes l'auraient lâché, abandonné à son sort, dénié son avenir, abdiqué leurs responsabilités face à lui. Si Haïti devrait mourir, ce serait parce que nous aurions cessé d'exister en tant que peuple, en tant que culture. Alors, je vous lis un extrait de l'essai intitulé Utopia 21, publié en 2018 par Émeric Caron, français. Tous les progrès sociaux de l'humanité et nombre de progrès scientifiques sont le fruit d'utopistes qui ont montré le chemin. Ce sont des hommes et des femmes que l'on a moqués, marginalisés, emprisonnés, assassinés pour avoir osé remettre en cause l'ordre établi en pointant ses aberrations ou sa stupidité. Nommons les rebelles et les penseurs qui ont osé dénoncer une discrimination acceptée de presque tous. Ce sont les porte-drapeaux d'une utopie nécessaire dont c'est toujours nourri l'humanité pour avancer. Et l'auteur, parmi les utopistes, il a mentionné Platon, Montaigne, Montesquieu, Bertrand Russell, le mathématicien qui avait le prix Nobel de littérature, anglais, Simone de Beauvoir, que vous connaissez, surtout les féministes, Toussaint Louverture, Martin Luther King, Nelson Mandela. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, toutes ces personnes? Ils ont en commun d'avoir combattu l'iniquité des traitements d'une partie des humains contre une autre partie de leurs semblables. Le GRAN, pour terminer, le GRAN poursuit son utopie et vous exhorte à nous rejoindre pour les 10 prochaines années et ce, au-delà même de notre action d'aujourd'hui. Donc, nous projeter dans le temps. Alors, c'est le vœu du GRAN pour les 10 ans qui viennent de s'écouler. Et nous voudrions profiter de cette célébration pour, en quelque sorte, vous inviter à redoubler d'ardeur pour que le GRAN devienne ce porte-étendard de l'espoir pour cet Haïti, comme je vous l'ai dit, qui ne mourra pas. Cet Haïti ne mourra pas. Alors, merci beaucoup. Merci en pile. Thank you so much. Muchas gracias. Et pour mon ami Rachid qui est au Maroc, Shukran Jazilan. Merci Samuel pour cette vision, ce partage. Moi, je suis très émue à différents moments
de cette présentation. J'ai été très émue et j'ai le goût, avant de passer, on a une période de questions, donc je vous invite tous à poser vos questions dans la partie Q&R ou bien Q&R en anglais. Et poser toutes questions que nous t'aurions même poser, professeur Samuel Pierre, parce que l'IPAL prend temps pour répondre nous. On apprend 5 questions. Tout ça, mais nous t'aurions même nous réagir par rapport à ce que le professeur Samuel Pierre fait que ça dit là. Est-ce que nous-mêmes nous gagnons la foi pour que nous capables faire Haïti vivre toujours? Ou bien, est-ce que nous pourrons abdiquer responsabilité nous? Est-ce que nous-mêmes, nous c'est des utopistes qui ont embarqué avec le grade pour 10 ans qui ont venu? Est-ce que nous-mêmes, c'est des utopistes? Puis est-ce que Haïti pourra vivre à cause de nous? Donc, ces questions, ça y est, moi-même, t'as bien aimé que l'assistance là réponde aux questions, ça y est, et dans le chat là. Est-ce que nous-mêmes, c'est des utopistes? Maintenant, c'est à mon tour de prendre les questions que vous nous avez posées dans le Q&A. Et les questions que vous avez posées. Alors, dans les questions, c'est important de mentionner, oui, votre nom, mais de nous indiquer également là d'où vous venez. Donc, il y a Succès, Auguste Succès, qui est le responsable du programme STEM en Haïti au Sacré-Cœur et qui aimerait connaître la perspective pour les 10 ans à venir du grade. Donc, lui, il a posé sa question dès le début. Je pense que le docteur Pierre, le professeur Samuel Pierre a répondu, mais je ne sais pas, Samuel, si tu veux dire quand même une phrase sur cette question, quoique je pense que tu y as répondu d'une certaine façon. D'accord. En fait, d'abord, la perspective sur le plan qualitatif, c'est de garder espoir. Parce que c'est en quelque chose, surtout quand on regarde la conjoncture d'aujourd'hui, je parle à des personnes d'Haïti, beaucoup. Je parle à des alliés qui sont hors d'Haïti. Je sens qu'il y a une tendance vers le découragement. Que ce soit en Haïti ou à l'étranger. Et notre plus grand ennemi, ce serait ça. Alors, la première perspective pour moi, c'est de maintenir la flamme. Et je voudrais même que le GRAN soit cet outil humain qui permet de garder la flamme. Alors, pour employer un mot très haïtien, moi, il m'indique que GRAN, c'est garde-manger Haïti. Alors, haïtien, comme ça, que le garde-manger bien. Garde-manger, c'est quand on mettait manger de réserve. Pour ne pas gagner, l'autre côté, nous allons d'abord manger ou aller chercher. Donc, il faut que le grain soit ce réservoir d'espoir pour le pays. Nous avons, disons, un avantage que n'ont pas les Haïtiens qui vivent au pays. C'est qu'eux, ils doivent affronter la rue tous les jours. Ils sont en proie à l'insécurité. Leur quotidien est fait de difficultés. Nous ne l'avons pas. Nous n'avons pas ces choses-là. Et par solidarité, nous devons rester unis envers ces personnes pour ne pas baisser les bras. Merci. Pour ne pas baisser les bras. Merci, ça, Samuel. C'est la perspective du GRAN. Maintenant, pour les autres actions, on sait le faire. L'ISTEA va devenir ce qu'on a dit qu'il va devenir, un centre d'excellence. Nos écoles vont prospérer, vont continuer à faire l'éducation. Le projet Pigan va continuer à avancer, au rythme que l'on peut. Mais tout ça pour entretenir l'espoir. C'est ça la perspective. Merci, merci Samuel. Il y a Jean-Michel Charles qui dit que les réalisations du GRAN pour ces 10 dernières années sont la preuve qu'Haïti peut changer. Ce changement est déjà en route, il faut continuer à maintenir le flambeau très haut, très fort. Merci Monsieur Charles. Prochaine question nous vient de Weber. Ah, non, ok, excusez, on l'a déjà répondu d'après ce que je viens de voir. C'est Madame Chantal Asselin qui veut savoir, recevons-nous bientôt la liste des cours à donner à l'hiver 2020 en éducation? Alors, Chantal Asselin est de l'Université du Québec à Rimouski et qui est une professeure associée de l'ISTEA. Alors, Chantal, je te répondrai en privé. En privé. Donc, alors, avant de poursuivre, j'ai reçu, moi, une question au début du brunch qui dit, Étant conscient de la situation de l'insécurité en Haïti, comment arrivez-vous à poursuivre vos réalisations dans ce contexte incertain de notre pays? C'est une question effectivement qui... Eh bien, on a appris à survivre. On a été à l'école des Haïtiens qui ont appris à survivre. Donc, nous avons appris à survivre.
dans l'insécurité. Parce que cette insécurité, c'est le lot de tous les Haïtiens qui vivent dans le pays. Et ils sont 12 millions. Ils n'ont pas quitté le pays. Il y en a quelques-uns qui ont quitté. Mais Haïti ne souffre pas de dépopulation. Haïti continue à avoir une population qui croît de jour en jour, malgré tout ce qu'on a dit. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis, Haïti ne va pas mourir. Il y a 12 millions. Il y a des sociétés qui perdent en population chaque année. Ce n'est pas le cas d'Haïti. Donc, ce que nous avons appris à faire, eh bien, c'est de vivre avec les Haïtiens, de tirer des leçons de leur façon. Nous avons des personnes avec qui nous travaillons et qui nous donnent leur façon de faire pour pouvoir survivre. Mais nous, nous sommes à leur côté. Nous sommes à leur côté. Et nous suivons leurs conseils. Merci Samuel. Donc, le GRAN s'adapte et prend les conseils des professionnels locaux d'Haïti pour faire avancer les différents projets. Donc, est-ce que le GRAN prévoit dans son programme la création de plus d'entreprises au pays? Là encore, je pense que vous avez déjà répondu à cette question. Oui, je vais répondre très précisément. Dans le cadre uniquement du projet PIGRAN, nous envisageons de créer 50 petites et moyennes entreprises. Et 50 petites et moyennes entreprises, c'est l'objectif du projet PIGRAN. Une cinquantaine de petites et moyennes entreprises qui vont générer 20 000 emplois directs dans le Nord. 20 000 emplois directs. Bravo. Et si ça marche dans le Nord, eh bien, on fera PIGRAS dans le Grand Sud et PIGRAC dans le Grand Centre. Mais il ne faut pas penser que c'est à nous de le faire. Et une fois l'idée est lancée, ben, il y a des gens, il y a 250 partis politiques qui veulent tous devenir président, eh bien, allez les convaincre, dites-leur, et il y a un projet expérimental qui est en train d'être fait et qui pourrait apporter du changement dans le milieu, supporter ces projets. Et ce que j'aime dire autant, pour réaliser le projet, on aurait besoin de 75 millions de dollars pour faire ça, pour faire PIGRAN. Combien de 75 000 dollars ont été mal utilisés dans le cadre de Petro-Caribé? Combien? On aurait pu faire plusieurs PIGRAN avec ça. Et dire que le projet était là. Mais on a eu des dirigeants, je ne sais pas comment les qualifier. Merci Samuel, merci. Je pense encore que tu viens de répondre à la dernière question qui était comment toucher d'autres départements. Donc, je comprends que le GRAN veut d'abord réussir à installer PIGRAN dans le nord du pays avant d'aller vers... Je dis même mieux que ça. Nous, les Haïtiens, nous venons de toutes les régions d'Haïti. Il y a un projet qui s'appelle PIGRAN qui se développe dans le Nord. Vous avez entendu dire qu'ils envisagent de le faire dans le Grand Sud et le Grand Centre. Allez faire de la représentation auprès des personnes qui sollicitent vos voix pour devenir maire, député, sénateur, président. Dites-leur qu'il y a un projet comme ça dans l'air. Supportez le projet, réalisez le projet. Nous ne voulons pas réaliser. Nous avons fait la preuve de la faisabilité. Un gouvernement qui veut développer le pays peut dire, moi, je vais faire un PIGRAN. Et je vais voir les gens de PIGRAN, les gens du GRAN, pour travailler avec eux. On est ouvert à ça. On l'a dit, on ne travaille pas pour un parti politique. Notre seul parti politique, c'est Haïti. Donc, un président qui nous dit, je veux faire PIGRAN dans le Sud, et qui vient voir le GRAN, on va travailler avec lui. Donc, merci Samuel pour l'ensemble de ta présentation, de l'échange et d'avoir pris le temps de répondre aux questions des participants. Vraiment, merci à tous de participer. Je ne sais pas, écoutez, il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement là. Les commentaires sont très nombreux sur le chat, ce qui est très bon. Je voudrais réagir par rapport à ce que vient de dire Samuel, mais j'ai le goût de vous annoncer également qu'on a dépassé l'objectif de la journée. Donc, on voulait atteindre 20 000 $ pour bâtir 2020 et nous sommes rendus à 20 237 $ et on n'a pas encore fini. Donc, il y a encore de la place. Donc, vraiment, bravo à tous les participants qui ont répondu à l'appel. Donc, on continue, ce n'est pas fini, comme on dit ici. Donc, encouragez-nous pour nous continuer parce que plus nous investissons dans le GRAN, plus nous avons réalisé le projet, plus nous avons réalisé plus vite tout. Donc, incitez-nous, encouragez-nous pour nous capables de continuer. Mais sinon, bravo et merci à tout le monde, à tous ceux qui ont fait leurs promesses dedans. Maintenant, faut nous respecter promesses. Donc, merci.
très, très heureuse de cela. Donc, on a fini la période de questions avec M. Samuel Pierre. On vient de confirmer qu'on a dépassé notre objectif de 20 000 pour bâtir 2020. Donc, on est à 20 237. Et juste la partie culturelle de notre célébration, on va avoir une prestation de danse de l'Académie Pascal du Rosier. Donc Pascal est ingénieur, c'est une amie du GRAN qui vit maintenant en Haïti, qui évolue en Haïti, et cette prestation qu'on va regarder nous vient directement d'Haïti. Donc merci. Moi, je suis très émue. J'ai été émue à Samuel a ce don-là, de tout en étant très sérieux, d'arriver à toucher les gens. Donc, merci Samuel. Je sais qu'il aime pas trop ça, mais je pense que les 10 ans du GRAN, c'est également le témoignage du fait qu'on a, contrairement à tout ce qu'on dit, on a quelqu'un en qui on croit, avec qui travaille en équipe, qui travaille en collaboration, qui travaille pour bâtir cette concorde dont tu as parlé. Donc, merci de cet investissement et merci d'avoir partagé cette vision avec nous. Et pas seulement de la partager, mais on croit à cette vision-là. Il y a beaucoup de gens qui partagent des visions, il y a beaucoup de gens qui partagent des rêves, mais on n'arrive pas, on ne les suit pas nécessairement et on n'embarque pas dans la vision. Avec toi, on embarque. Et les gens s'investissent pour la concrétisation, pour que justement Haïti puisse vivre. Donc, je voudrais te dire merci à toi et merci évidemment à l'ensemble de Grand Monde. Et parce qu'on ne le dit pas assez souvent, mais c'est quand même une équipe de bénévoles. Oui, il y a quelques employés, mais le gros du travail est essentiellement fait par des bénévoles, des gens, des amoureux d'Haïti, monde qui remet pays. Donc, voilà. Et maintenant, on est prêt à voir la partie culturelle de notre branche.